Mi-temps terrain 2023, il y a Enzo Fernandez là. McAllister, deux poules là. Plus fort que mi-temps terrain qui était même joyau en 2022. Ça fait ça. Pas oublier ni McAllister, ni Enzo, pas titulaire Argentine. C'était Paredes, Lo Celso, deux poules. Maintenant, Lo Celso vient blessé. Paredes, pas bon. Dans le mondial, là, Enzo vient rentrer comme un titulaire et McAllister vient titulaire. Il vient bon, Enzo, deux poules, McAllister. Mais il joue mondial là. Avec Lionel Scaloni qui bat Enzo responsabilité jouer devant défense là. C'est Enzo qui rampe de lancement. Équipe 2022. Ya. Mondial là fini. Équipe là champion du monde. Équipe là libérée. Gagner progression sur le plan individuel pour chaque joueur ça y est. Améliorer sur le plan individuel. Pendant Chelsea. Pas bon, Enzo était toujours bon. McAllister, c'était meilleur joueur, Brighton of Albion. De Paul, rejoint une sensation à Atlético Madrid dans l'année 2023. Et puis, trio, une vin kon l'autre plus. Parce que en 2022, c'est un bagage rapide en compétition. Yon mois, pas de calcul. Eh bien, nous avons joué ensemble. Et nous, ça a été fait. Maintenant, vous avez temps, vous avez confiance, vous avez plus habitude. Et soit vous regardez l'aspect fluidité technique, qui est-ce que fait dans l'Argentine? Nous voyons que Enzo, c'est l'Ite 6, Enzo vient 8 kouni là. McAllister était 8, McAllister vient 6 kouni là. McAllister, pas 6 dans Brighton. Caicedo était 6. McAllister était en position qui est beaucoup plus avancée par rapport à Caicedo. Dans Liverpool, Livin 6, nous tous d'accord que Liverpool, le bagage ballon, trouvait une situation compliquée. Il y a un bagage qui est très simple. Pendant même McAllister, ça c'est lui-même qui a joué dans l'Argentine comme 6. Logique, l'ensemble. Le gars de Liverpool, mettant un Liverpool lancé Szoboszlai, Curtis Jones ou bien Cody Gakpo. Monsieur Sakel, lui-même, McAllister joue devant défense là, comme médian récupérateur. 6. Laissez rampe de lancement, laissez register pour sortir ballon avec un peu de fluidité. Maintenant, lors de Liverpool, il y a une certaine agressivité. Liverpool n'a pas gagné. Ding ding pressing dans le temps, Liverpool n'a pas gagné. Et agressivité, ça commence à partir de attaque et Liverpool là, ailier et puis avançant. Il n'y a pas de pressing dans le temps, parce que Liverpool est en transition. Et puis, Liverpool, Szoboszlai, ce n'est pas le même profil à deux pôles. Szoboszlai, certainement, c'est un meilleur joueur techniquement que deux pôles. Mais il n'y a pas de puissance, agressivité deux pôles. Qui vient faire qui ça? Le Argentine n'a pas de ballon. Non seulement il y a une agressivité, un pressing depuis dans l'attaquant, quand il est là, non, bloc médian ou gen deux pôles qui capable accompagner McAllister en double pivot le équipe dans la phase récupération. Enzo Fernandez qui était dans un double pivot avec Fiorentino Luis dans Benfica. Mais c'est lui qui a beaucoup plus de liberté pour le avancer dans Benfica. Nous avons Enzo de temps en temps après côté gauche pour lui, justesse technique. Capacité pour le bail passe vertical, passe diagonal pour Enzo. Mais nous, ouais, Enzo, qui en position de 8, bon côté de pôle, nous, équipe argentine très compact au niveau du milieu, vingé beaucoup plus de fluidité dans la transmission, dans la récupération, dans la transmission, dans l'élaboration, jouet là. Ballon content, le lampier joueur, parce que il y a beaucoup plus d'harmonie. Alchimie en prend parce que ils ont joué ensemble, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Pas oublier après Coupe du Monde là. Argentine bat Indonésie, bat Australie, bat Curaçao, bat équipe et Pérou.
bat Paraguay, bat Bolivie. C'est Argentine. C'est 8 matchs après Coupe du Monde, là, quand tu as fait victoire, tu n'as pas pris un goal en 2023. Et si tu as regardé l'Argentine, Argentine, qui t'a fait une masterclass contre l'équipe Paraguay, bah une masterclass encore contre Pérou. Avec Macalister, nous, qui est dans Liverpool, là. C'est pas l'équipe d'Argentine, non, parce que il y a plus assise défensive dans le projet défensif Argentine, dans le repli à l'organisation défensive sélection Argentine, non. Ces différences-là, mi-terrain Argentine 2022 et mi-terrain Argentine 2023, le fait gagner un jeu d'ensemble, il y a plus habitude, il y a cohésion, nous voyons que l'équipe ça, c'est match après match, il y a une dimension technique là-dedans. C'est une équipe très caméléon, qui est très solide, le goal solide. C'est plus que 700 minutes Argentine prend goal. Qui fluide le ballon en pied avec progression individuelle chaque joueur dans le terrain, qu'on y a la progression collective. Et puis, le pour équipe là lui-même lui fait goal, l'a fait goal yo parce que Ligue 1 joue football qui décide son match. L'heure pour le décider sur Macho, qui c'est Lionel Messi.